Coucou les j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis en randonnée et je voulais vous faire une petite vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa dehors. Puisque c'est le troisième mois, je vous avais fait une vidéo pour la première fois, on va dire mon initiation au flux instinctif libre. Et là, il se trouve que du coup, on est au troisième mois où je fais ça. Alors je voulais un peu faire un petit retour. Sur le deuxième mois, j'ai eu, on va dire, la chance d'expérimenter quelque chose un peu plus d'extrême pour moi et ce qui me faisait peur, puisque les 2 jours, j'étais en prestation, vu que je suis chanteuse, donc les 2 jours, j'avais des spectacles. Et donc, voilà, pour aller aux toilettes et pour faire, voilà, enfin, c'est pour me vider, on va dire, c'était plus difficile. Mais ça s'est très bien passé et je trouve que plus je suis occupée, plus en fait ça, on va dire, ça ne s'évacue pas. Je sais pas comment le dire, mais en gros, voilà, le sang ne part pas et à temps. Et plus en fait j'y pense, plus j'ai des loupés. Et c'est vrai que ces 2 jours-là, ça s'est super bien passé. Il se trouve qu'en plus, bon, moi j'ai 2 jours de règles, donc c'était les 2 jours de mes règles. J'ai pas des règles très longues. Et donc là, je suis en plein dedans et je suis en randonnée et ça se passe plutôt bien. Hier, on était sur la route et pareil, ça s'est bien passé aussi, puisque on est allé dans les Alpes et on habite dans le 86, donc on avait pas mal de routes. Et puis voilà, on s'arrêtait de temps en temps pour aller aux toilettes, mais c'était pas non plus, voilà, c'est pas toutes les 3 secondes. Donc pour le moment, c'est une expérience plutôt chouette qui me donne pas mal de liberté et c'est un petit truc, mais qui me rend plutôt heureuse, voilà. Donc bon, après, c'est quelque chose de simple, mais pas très connu et pas très expérimenté par les femmes, et pourtant qui est plutôt accessible puisque c'est gratuit et que à force en fait plus on s'habitue, je pense plus c'est facile. Aujourd'hui, je suis jamais trop sûre, à chaque fois je me dis bon, ça se trouve j'y vais un peu trop tard et tout ça. Je ressens quand même pas trop mal et pour la nuit, à chaque nuit en fait ça me réveille. Clairement, ça me réveille donc en général, ça me réveille 2 à 3 fois par nuit. Et puis j'y vais et puis voilà, puis je me rendors et puis après je suis bien. Donc c'est vrai que c'est la nuit qui est le plus facile et auquel je pensais que ça allait être pas si facile que ça, mais c'est vrai que ça nous réveille, je sais pas pourquoi, mais bon, ça doit être l'inconscient qui sait qu'il n'y a rien et que il faut pas qu'il y en ait partout. Je sais pas. J'ai pas trop d'explications, mais ça se passe plutôt super bien et je suis très heureuse de ça. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit retour. Donc c'était une toute petite vidéo. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des expériences qu'on puisse échanger. Et puis je vous ferai des retours réguliers comme ça, peut-être dans un bon petit moment maintenant. Mais voilà, pour mes débuts, en tout cas les 3 premiers mois, c'est nickel. Ça se passe super bien. Donc je suis très très contente. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, moi, je vais aller me régaler dans cette randonnée avec le soleil, un petit peu vent, un petit peu de vent, une température franchement idéale. C'est trop beau la montagne, je vais y habiter. J'espère que ça se fera un jour. Allez, je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.